fait chaque moment un petit pirouette. Vive la vie pour Argentine, la bonne vie va s'en finir. Que Jésus nous vient les préparer. Préparer. Quand il est parole qui fait ça, on va y pour l'éternité. Parmi la joie et la félicité. Même si on méprise les lits, n'en doutez pas. Chrétien en bas, j'en bouquet, chanter son accordi. Ton pas à fait fun, chanter, n'a toujours la vie. Mais il est bon en forêt, honorer le divan, souffler de bord. L'eau coule dans la ville, les bains s'en foutent, ni la vie. Ni la vie pour agrandir, dans le bonheur qui va s'en prier. Que Jésus m'en vient à les préparer. La peine est dans le ciel là, pour voilà la vie pour moi. Luc, chapitre 22. C'est bientôt la fête de la Pâque. La fête où on mange du pain sans levain. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchent un moyen pour faire mourir Jésus. Mais ils ont peur du peuple. Alors, Satan entre dans Judas, qu'on appelle aussi Iscariote. Il fait partie des 12. Judas va trouver les chefs des prêtres et les chefs des gardes du temple. Ils discutent avec eux sur le moyen de leur livrer Jésus. Les chefs sont très contents et ils promettent de donner de l'argent à Judas. Celui-ci est d'accord. Il cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus loin de la foule. Pendant la fête des pains sans levain, le jour arrive où on doit tuer les agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoie Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Il lui demande « Où allons-nous le préparer? Qu'est-ce que tu veux ?» Jésus leur répond « Quand vous entrerez dans la ville,
vous rencontrerez un homme qui porte un pot d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il va entrer. Vous direz au propriétaire de la maison, « Le maître te demande où est la salle où je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. » En haut de la maison, le propriétaire vous montrera une grande pièce avec tout ce qu'il faut. C'est là que vous préparerez le repas. Les disciples partent. Ils trouvent tout comme Jésus leur a dit et ils préparent le repas de la Pâque. Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. Il leur dit, « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. » Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit, « Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. » Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant, « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Mais regardez, la main de celui qui me livre prend la nourriture avec moi. Oui, le Fils de l'homme va vers la mort comme Dieu l'a décidé. Mais quel malheur pour cet homme qui le livre. » Alors, les disciples commencent à se demander entre eux, « Lequel de nous va faire cela ?» Ensuite, les disciples se mettent à se disputer. Ils se demandent, « Lequel de nous est le plus important ?» Jésus leur dit, « Les rois des peuples les commandent comme des chefs, et ceux qui ont le pouvoir sur eux veulent qu'on les appelle amis du peuple. Mais vous, ne faites pas comme eux. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune. Et celui qui commande doit être comme celui qui sert. En effet, qui est le plus important? Celui qui prend son repas ou celui qui sert? C'est celui qui prend son repas. Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous êtes resté avec moi quand on était contre moi. Et moi, je peux vous donner le royaume comme mon Père me l'a donné. Alors, vous mangerez et vous boirez avec moi dans mon royaume. Vous serez assis sur des sièges de rois pour juger les 12 tribus du peuple d'Israël. Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, Simon, écoute. Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous, comme on secoue le grain dans un vent, pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. » Pierre lui dit, « Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même à mourir avec toi. » Jésus lui répond, « Oui, Pierre, je te le dis. Aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Ensuite, Jésus dit à ses disciples, « Quand je vous ai envoyé sans argent, sans sac ni sandales, est-ce que vous avez manqué de quelque chose ?» Ils répondent, « Nous n'avons manqué de rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, celui qui a de l'argent doit le prendre. Celui qui a un sac doit le prendre aussi.
Celui qui n'est pas armé doit vendre son vêtement pour acheter une arme. Dans le livre saint, on lit « Les gens ont pris cet homme pour un bandit. » Oui, je vous le dis, il faut que cela m'arrive. En effet, pour moi, tout est bientôt fini. Les disciples lui disent « Seigneur, voici deux épées. » Jésus leur répond « Cela suffit. » Jésus sort et il va au mont des Oliviers, selon son habitude. Ses disciples le suivent. Quand il arrive à cet endroit, il leur dit « Priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » Jésus s'éloigne des disciples. Il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en disant « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Alors, un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. Jésus a peur et il est très inquiet. Il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des gouttes de sang qui tombent par terre. Après qu'il a prié, il se relève, il revient vers les disciples. Il les trouve en train de dormir. Ils sont fatigués parce qu'ils sont tristes. Il leur dit « Pourquoi est-ce que vous dormez ? Levez-vous et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. » Pendant que Jésus dit cela, une foule de gens arrive. Celui qui s'appelle Judas, l'un des 12, marche devant eux. Il vient près de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit « Judas, c'est en embrassant le Fils de l'homme que tu le livres. » Les disciples de Jésus voient ce qui va se passer. Ils lui demandent « Seigneur, est-ce que nous devons nous servir de l'épée ?» L'un d'eux frappe le serviteur du grand prêtre et il lui coupe l'oreille droite. Mais Jésus prend la parole. Laissez faire, cela suffit. Il touche l'oreille du serviteur et le guérit. Ensuite, Jésus dit au chef des prêtres, au chef des gardes du temple et aux anciens qui sont venus l'arrêter. Vous êtes venus avec des épées et des bâtons, comme pour prendre un bandit. Pourtant, tous les jours, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais pour vous, maintenant, c'est le moment. C'est le moment où les forces du mal agissent dans la nuit. Ils prennent Jésus, ils l'emmènent, et ils le font entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre les suit de loin. On a allumé un feu au milieu de la cour. Des gens sont assis autour du feu. Et Pierre s'assoit avec eux. Une servante voit Pierre assis près du feu. Elle le regarde avec attention et elle dit « Cet homme aussi était avec Jésus. » Mais Pierre répond à la femme « Non, je ne le connais pas. » Peu de temps après, un autre voit Pierre et il lui dit « Tu es bien un des disciples de Jésus, toi aussi. » Mais Pierre dit à cet homme « Non, ce n'est pas vrai. » Une heure plus tard environ, un autre encore insiste en disant « C'est sûr, celui-là aussi était avec Jésus. En effet, il est de Galilée. » Mais Pierre répond « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même moment, pendant qu'il parle encore, un coq se met à chanter. Le Seigneur se retourne et il regarde Pierre dans les yeux. Alors, Pierre se rappelle ce que le Seigneur lui avait dit. « Aujourd'hui, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. » Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup.
Les hommes qui gardent Jésus se moquent de